je règle le trépied. Enfin, la perche trépied. Ah, salut, bonjour à tous. Bonne semaine, petite vidéo. J'ai sorti la fondeuse. Aujourd'hui, on va fondre. On va nettoyer tout ça là. Là-bas, on voit là. Le petit écran, faut regarder. On va nettoyer tout ça là. Hop. Propre, propre, propre. Alors, je vous retourne. Bougez pas. Voilà. Là. Alors, il y a toutes les. Tout ça à fondre. Là, on va fondre tout ça. Ça. Faut que je fonde ça. Le 50 qui est là. On va le fendre aussi. La charbonnette de sapin. Ça, on a un client pour ça qui nous achète que ça. 15 austères. Il me reste un voyage à faire. Donc voilà, donc ça, je vais l'essayer tout à l'heure aussi. Comme ça, tout le coin là sera propre. Nous avons des piafs là-bas. Là, ici, on va fendre tout ça aussi. Propre. On va faire un tas, je sais pas où. Là-bas, parce que ça, je vais pousser peut-être un peu le tracteur. Et là-bas en bas. Alors là, on va faucher. J'ai sorti l'autre débroussailleuse avec tout le couteau. Attendez, j'ai un truc dans la godasse. Je casse les couilles. Là. Alors. Là, je vais essayer de faucher à la bordure un peu, là, qu'on puisse pousser. Qu'on puisse au moins passer propre. Et on va pousser là-bas après avec le tracteur. Je vais voir à quoi qu'on va venir. Nettoyer ce boule à propre par terre. Parce que là c'est plein d'épines, je vais finir par crever. Et là on a ça à fendre. Et là. Et on va faire un tas là. Je pense que je vais scier la haie là. Et on va faire un gros tas là de 33. Ah ça fera l'affaire. Bon allez, allons mettre cette fendeuse en place. Je mets sur pause. Je retourne, ça me perturbe de pas voir ma tête. Là. J'ai fait ça. En origine, c'est une roue. Hein. Mais ça va pas, la roue, c'est bordel. Ça s'est tordu dans le bois. On faut la démonter tout le temps. Et puis, alors, le problème qu'il y a, c'est que ça, après, ça tient pas. Alors, si, ça tient. En soi, ça tient. À l'origine, il y a un axe là. Ici, là. Là. Voilà, dans la fenêtre, là, il y a un axe. Seul problème, quand on est tout seul, l'axe il est impossible à mettre quoi. Parce qu'il faut la lever là pour arriver à glisser l'axe dans le trou. Et l'axe il s'est barré, je l'ai paumé l'axe. Et de toute façon ça n'allait pas. C'est mal fait comme système. Donc du coup j'ai fait ça, comme ça bah ça tient ça, ici là. Et comme ça sur la route bah elle fait pas ça quoi. Parce que ça fait un poids quand même conséquent. Ça fait presque 500 kg, hein. Ça fait 465 kg voilà, en tout. Hein. Alors maintenant je sais même pas si on comptait l'huile avec parce qu'il y a même 40 litres d'huile là-dedans. Le réservoir est assez gros. Hein. Donc voilà. Bon je vais la redresser. Alors ça c'est pareil, c'est pas simple aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas de verre sur celle-là. Alors on pose d'abord là. Voilà.
Elle faut être costaud hein, chez Thor. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Thor cette fondeuse. Moteur Subaru. Bon, jamais été emmerdé spécialement pour l'instant. Des fous, ça là. Le pot d'échappement. D'origine, il est tourné comme ça. Il crache vers là-bas. Alors à chaque fois qu'on se baisse là-bas pour prendre une bûche qui est par terre, on prend les gaz d'échappement dans la tronche. Alors du coup, je l'ai tourné. Je l'ai mis comme ça. Donc du coup, il est un peu plié parce qu'il accroche dans la barre. Là, ça, c'est un gros défaut de fabrication. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défaut? Il y a plein de défauts sur cette machine. Mal construit. Alors ça, c'est pareil, ça. Ça, là, ce truc-là. Ce truc-là, c'est de la merde, ça, là. Ça, ça vaut rien, c'est zéro. Je suis obligé de mettre de l'huile là. Sinon, ça vibre. Parce que là, ils ont mis un joint. Le problème qu'il y a, c'est que le joint vibre. Ça, c'est fait pour. Quand le vrin remonte, ça fait sauter le remontage automatique. Mais c'est mal fait. Hein. C'est vraiment un système à la con. Et en plus, on perd 10 cm de vrin. Donc, au lieu de pousser à 1m10, ça le pousse que, à 1m3. Quoi. Donc, ça, c'est pas au point non plus. Hein. La manette du treuil, je l'ai changée. N'en parlons pas. Alors c'est bien, oui, on met le câble dans la manette, on tire comme ça, et ça déroule. Le problème, c'est que vu qu'il y a 20 mètres de câble, on a toujours tendance à aller au bout. Et tant on va au bout, et que c'est au bout, ça enroule, ça sectionne la manette, et la manette elle est cassée. Alors ils ont mis un point rouge, oui, mais bon, à 20 mètres, le point rouge on le voit pas quoi. Donc du coup, j'ai cassé 3 fois la manette, et donc du coup j'ai obligé de la changer. J'ai mis une manette un peu plus solide. Je déroule plus jusqu'au bout, je fais attention maintenant. Voilà, bon sinon, mis à part ça, c'est une bonne machine quand même, on va pas trop se plaindre. Hein, elle a déjà fait une paire d'Aster celle-là, et j'ai pas été trop emmerdé avec. Bon après pour le prix, ça pourrait marcher mieux quoi. Puis bon pareil pour la redresser, hein, ils auraient pu mettre un vérin, parce que à redresser, il faut être costaud, hein, sinon c'est pas la peine. Bon, regardez si on a de l'huile. Alors ça, il faut regarder toujours, voir s'il y a de l'huile et s'il n'y en a pas de trop. Ouais, non, ça va. On n'est pas tout à fait plat. Je vais sortir un peu d'huile, c'est bon. Parce qu'un coup, alors, toujours bien fermer le robinet d'essence. Parce que si on ne ferme pas le robinet d'essence, l'essence passe dans l'huile. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est le moteur qui est usé et que ça fait passer d'un segment ou avec les segments, j'en sais rien. Mais ça, c'est un problème que j'ai vu une fois. Il y avait au moins, je sais pas, l'huile elle était dans le moteur. Quoi. Donc, ça, c'est un problème. Alors, ça consomme pas beaucoup. Fait 1 litre à l'heure. Ou 1 litre austère, ça dépend ce qu'on fait. Alors, en la faisant tourner en moitié gaz. Hein. Bon, si on la fait tourner à fond, elle consomme plus. Hein. C'est une 18 tonnes. Hein, pour ceux qui vont me demander. Donc, voilà. J'avais jamais fait présentation dessus. Donc, le treuil, c'est un 800 kg. Hein. Une gume de 4 mètres en 50-60, il la tire. Bon, après, il faut avoir ce qu'il faut au bout, hein, parce que s'il n'y a pas le tracteur d'accrocher, c'est pas la peine. Parce que le Kubota, je le lève, hein, il part avec. Hein. Donc voilà. Bon, je vous fais pas de vidéo autant elle tourne, parce qu'on l'a déjà vu tourner sur la chaîne. Alors, ça fera la petite vidéo d'aujourd'hui. Pour le fendage, ça fera une autre vidéo, parce qu'on a déjà 6 minutes, où je mettrai en rapide, on verra. Hein, parce que là, j'ai encore le. La bâche l'a enlevée, nettoyée là, et j'ai encore ce verger là nettoyé jusqu'au bout avec la débroussailleuse. Donc voilà, on va faire un peu de débroussailleuse. Et après on va voir essayer d'aller récupérer un tracteur à la ferme pour essayer de nettoyer tout ça. Parce que si on fait ramener 2 camions de grumes, avec le SMI on rentre pas là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà. Voilà voilà tout ce que j'ai à dire. Alors c'est l'ornifleur en haut, ça qui sert à rien. Bon allez, à plus. Je vous fais pas de fin parce que je sais pas si je continue la vidéo sur la même ou si j'arrête là. Salut. Bon Rudy, faut te faire plaisir hein. Tu les vois. Là. Ah, ça se tire, hein. C'est gros. Hein. Il y avait un nid d'orvet quand j'ai enlevé la vache. Putain, on les voit pas plus. Bon bref, je vais essayer de t'avoir une photo.
c'est l'invasion. Regarde ça, la bête. Ah. Et il y a le bébé là. Ah. Il y a plein de Norvèges là-dedans. Bon bah ça avance hein. J'ai déplié les bâches, parce qu'ils sont là depuis cet hiver. Ça sèche. J'ai fait quelques grandes bâches. On va les faire sécher pour les remettre sur le bois pour l'automne quoi. Après l'hiver on a le bois dans le hangar, mais l'automne il est encore dehors. Enfin pour une partie. Voilà, j'ai fendu tout 50 qui était là. Ah, il y a un bon ster. Là j'ai mis une grande bâche là aussi, on la voit elle sèche. Puis là bah, j'ai fendu le 33 là, je sais pas, il y a peut-être aussi un ster. Bon je vais couper tout le sapin là. Le problème c'est qu'il faut que je parte à la maison, j'ai pas d'huile, j'ai oublié l'huile. Bon c'est pas loin, il y a 500 mètres. Il restera tout ça à faire et puis bah, ça comme tout à l'heure j'ai eu dit. Donc voilà. Bon, après le tas de 50 là, je vais l'enlever, je vais le mettre là. Toi, il n'y aura plus ça. On va rallonger en 50 par là. Comme ça, on va gagner de la largeur pour passer avec le semis. Voilà, voilà. Plus tard.